Dispo. Vous nous avez fait confiance. Aujourd'hui, on avait besoin d'une radio différente. Diaspora FM. Le point 7. Le point 7. Votre émission de décryptage de l'actualité nationale et internationale sur Diaspora FM 102.3. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à votre émission Le Point 7. Le Point 7 qui reçoit aujourd'hui, ou qui retrouve avec beaucoup de bonheur, ce sociétaire qui est parti sans retour. Heureusement, il est là. Il est allé planer, flâner dans les airs, sur les terres et autres. Aujourd'hui, il est quand même dans ce studio. Bonjour, Président. Bonjour, Peggy Ludovic Dagba. Vous avez reconnu la voix, c'est sûr, Hilarion Caillon, c'est le directeur de publication, le DG de son journal, Défi Info. Absolument. Défi Info qui se fait fort, franchement, de, astiquer, retourner, traiter l'information locale ici à Bobo-Calavi. Ça fait combien d'années déjà pour Défi Info? Exactement 24 ans que nous sommes sur le terrain de traitement de l'information. Donc à 6 ans de la retraite. Tu sais plus que moi que dans notre métier, il n'y a pas de retraite. Il n'y a pas de retraite. C'est seule la mort qui est notre retraite et ce n'est pas pour demain. On touche du bois. On touche du bois. Bon, je voudrais saluer nos auditeurs et leur dire toutes mes excuses pour cette longue absence. Vraiment. Qui pourrait être répétée, on ne sait jamais. Ah non, non, non. Vous allez prendre l'engagement. Vous ne pouvez être si longtemps absent. On fera autant que se peut pour être présent à vos côtés parce que il faut le dire, nos auditeurs sont merveilleux. Vraiment. Ils sont merveilleux. Ils nous le rendent bien. Très bien. Les retours sont très bons. Et donc, nous n'avons aucun intérêt à les boycotter ou à zapper sur eux. Nous ferons tout ce qu'on peut pour être de leur côté. Et donc, l'actualité aujourd'hui dans Bobo-Calavi, puisque vous êtes spécialisé un peu dans cette actualité-là, qu'est-ce qu'on peut retenir? Bon, vous voyez, en fait, c'est, l'actualité en général, c'est lié à la pré-campagne des élections législatives. Aux législatives, Voilà, dans la sixième, c'est plus pointu en ce que la sixième seule dégage 8 députés. Ah oui. C'est la seule circonscription. 8 sièges. C'est la seule circonscription électorale au Bénin à dégager 8 sièges. Donc, vous comprenez que l'enjeu doit être de taille. Et c'est ça, c'est ce que nous observons. Ça va dans tous les sens, si tu... Mais Cotonou, c'est 9. C'est 9, ah oui, bien sûr. Je suis en train de sortir Cotonou, en réalité. Je parlais du Bénin sans Cotonou. Sans Cotonou. Bon, évidemment, Cotonou étant considéré comme une république en miniature, c'est souvent compliqué. Une ville-département. Très bien. Et donc, c'est une ville-département. C'est pour ça que je parle de la circonscription électorale en 7 en septembre. Et donc, vous remarquez que juste au lendemain de la publication des listes des candidats déposées par les états-majors des partis respectifs à la Sénat, l'ébullition a été dans tous les sens. On a observé tout au début une petite accalmie, et puis après, ça a commencé à ronchonner, et puis vlam, ça a encore pris dans tous les sens, et le travail a commencé. Il faut dire, ça ne manque pas dans la société humaine, des guéguerres, de petites guéguerres qui s'observent dans tous les états-majors, mais c'est plus fréquent et c'est plus visible au niveau de l'UP aujourd'hui, parce que c'est explicable. C'est le parti qui regroupe le plus de militants aujourd'hui, et plus il y a d'hommes, plus il y a de problèmes. Donc c'est ce qui s'observe aujourd'hui, vous voyez des clans qui s'observent, des clans qui s'organisent contre les autres. Déjà des clans, Bien sûr, malgré que ce soit le même parti politique. Le même parti politique, non, tout le monde parle quand même le même langage. Mais vous voyez, l'UP est une panier à crabe, il y a tout le monde. Hein? Parce qu'on voit que le Béninois, c'est la force du Béninois. Quand il remarque que quelque chose est en train d'aller en avant, on veut suivre. Personne ne veut construire quelque chose qui va grandir dans ses mains. On délaisse les autres. On vient parce que... Très bien. On dit que ce parti a le vent. C'est ce qui s'observe aujourd'hui. Vous voyez des clans qui s'observent sans vouloir dénoncer les gens. Il y a le parti qui est tripolarisé. Vous voyez une partie qui s'organise autour du maire Angela Wandinou. Il y a une partie qui s'organise autour du député Renfort. Et puis, une partie qui s'observe... Qui s'organise aussi autour de ceux de Godomé. Et donc, on observe dans la sixième circonscription électorale, malheureusement, du même parti politique qui a trois pôles. Et les trois pôles se combattent à mort. Et vous avez remarqué, tout ce qui s'observe, les informations qui sont distillées dans la presse, l'un contre les autres, de fausses ou de vraies, ça émane de ces trois pôles. Si X ne te rencontre pas pour dire Y contribue à telle chose, c'est Z qui te voit pour dire que B contribue à telle chose. Et donc, aujourd'hui, ça s'accentue. Surtout après la publication de ces listes, ça devient encore plus dangereux. Les positionnements.
ça devient plus dangereux. Vous voyez la clique, autour du maire, vous voyez le CA de votre localité, le CA de Glo. Vous voyez le CA de Toba, qui s'organise autour de lui et qui le prennent comme leur leader. Vous voyez autour de Renfort, la plupart des CA. La plupart des CA qui... Mais pourquoi lui, il réussit à agrager tout ça? Vous savez, tout ce bon monde. Aujourd'hui, et pour parler aux gens, il faut que les gens s'identifient en toi. Mm-hmm. Et Renfort a l'avantage d'être jeune. C'est ça. Les jeunes, on peut l'aimer, on peut ne pas l'aimer. Et puis ça lui fait plusieurs mandatures déjà. Ça fait la seule, une année à la deuxième mandature. Il vient de faire qu'une seule mandature. Donc il est candidat à la deuxième mandature. Okay. Et donc vous voyez, donc c'est ça qui fait qu'il cache plus facilement les jeunes. Mm-hmm. Parce que les jeunes veulent s'identifier en celui qui leur parle. Mais quand vous voyez l'écart d'âge qui est trop, je ne vous apprends rien, ils sont présents peut-être de corps, mais pas d'esprit. Pas d'esprit. Mais le jeune connaît le langage des jeunes. Il ne rentre pas dans la tête des jeunes. Très bien. Donc le jeune connaît le langage des jeunes. Mm. C'est ça qui est le problème. Mais quelque part, ça crée assez de jalousie. Donc les gens se disent, mais attends, est-ce qu'il veut nous coiffer? Et donc quoi? Du coup, c'est quoi son problème? On remarque que, bon, ça ne va pas. Il faut tirer dedans. Malgré sa position, c'est que ça ne va pas. Ça va dans tous les sens. Et donc moi, l'essentiel maintenant, c'est qu'il faut que le père de famille, qui est le chef de l'État, qui est le patron d'ailleurs de tous les partis, de la mouvance présidentielle, ou du moins celui qui est délégué, je parle de président Diogbeno, qu'il rencontre ces gens et de ramener la balle à terre. Pour qu'on puisse avoir une campagne apaisée. Mmh. Sinon, ils vont se tirer entre les jambes à tout moment sans finir. Le vin est tiré, non? Il a Oui, mais le vin est tiré. On a déjà déposé les dossiers. Oui. Bientôt, ça c'est le père de va valider. Mais alors, pourquoi il se torture normalement? C'est maintenant le moment de parler le même langage. Même la rue savait que le clan autour du maire voulait que le Siatoba soit tête de liste. Mm-hmm. Ça se chantait partout. Maintenant, ce n'est plus ça. La première liste, c'était ça, quand même. Non, jamais. Le Tia Toba n'a jamais fait. C'est ça. Les gens ont voulu distiller dans l'opinion publique que le Tia Toba était de liste. De liste, parce que c'est ça que ça arrange. C'est ça que ça arrange ce groupe-là. Maintenant, quand c'était venu, quand vous voyez la première liste, le Tia n'y figurait même pas du tout. Même pas le dernier suppléant n'était même pas sur la liste. C'est les corrections sur corrections qui l'ont amené finalement parmi les trois premiers suppléants, les troisièmes suppléants, si je ne me trompe. Et donc, ça là, les gens se disent, c'est ce groupe qui a travaillé contre que je sois à cette position, et donc il faut le tirer entre les jambes. Le dépôt de gerbe, le dépôt du moins des dossiers, c'est une pelle de manche. Mais l'autre pelle de manche, vous avez remarqué, s'ils n'harmonisent pas leur combat, vous avez remarqué qu'ils feront pied de figure. Parce que les autres, tu vois quelqu'un comme Renfort qui se donne pas du tout le temps depuis un moment donné, mais parce que les gens sont dit, parce qu'il a telle position, il doit être mécontent, il faut faire connaître aux supérieurs que, bon, il est mécontent. Il faut vendre ce qui n'est pas vendable aux gens, il est mécontent. Et comme ça, il est en disgrâce. Voilà, donc comment le mettre en disgrâce avec les supérieurs hiérarchiques du parti, ça devient la culture de certaines personnes, toujours membres de ce même parti. C'est violent. Or, ils doivent s'unir. Les arrondissements, ils doivent s'unir, les CA. Puis aujourd'hui, l'UP dans la 6e, qu'on le veuille ou non, contrôle. C'est l'UP qui est maire de Calamé, c'est l'UP qui est maire de Soava, c'est l'UP qui est maire de Zer. Voilà les trois communes constituantes de la 6e circonscription électorale. Et donc, tout cas, bien fait, ils doivent avoir le terrain à portée de main. Et quand vous voyez la liste du BR en face, c'est un champ de maïs. Et donc, si ceux-là s'organisent, si l'UP laisse les clivages internes et se comprennent, travaillent très bien, ils vont faire un score sérieux sur le terrain. Mais à cette allure, si on ne leur dit pas du moins arrêter, ils vont dans le décor. Ils vont, il ne sert à rien de se trahir entre soi. C'est ça. Il ne sert à rien. Et qui se dit qu'ils ne sont pas entrés porte-flanc au parti adverse pour... Moi, j'ai reçu la semaine dernière, ici, sur le Grand Direct, un membre du Bloc Républicain, mais il a promis de leur faire totalement la peau, dans la 6e circonscription électorale. C'est normal, quand le mur est fissuré, le lézard s'y pénètre facilement. Hmm. Parce qu'aujourd'hui, l'opposition de l'UP se trouve au sein de l'UP. C'est ça. Oui, ils n'ont pas le BR comme opposant, ils n'ont pas le FCB comme opposant, mais ils ont eux-mêmes comme opposants. Mais comment est-ce possible? Tu ne peux pas aller voir le CA Toba aujourd'hui qui te parle bien du CA de Zivier. Tu ne peux pas voir le CA de Calavi te parler bien du CA de Glo. Ah. Tu ne peux pas voir le maire te parler bien de Laurent Renfort. Donc la guéguerre est là. Tous les restes, quand ils s'assemblent, bon, ils rient. C'est vraiment un panier à crabes. C'est une guéguerre, c'est un panier à crabes, véritable panier à crabes. Le seul parti qui n'a pas trop ça, c'est le
le B, c'est vrai, ils en ont, mais en proportion très réduite. Et ça se comprend. Parce qu'ils n'ont pas trop d'adhérents, comme ça s'observe. C'est de là-bas, c'est ce parti qu'on vide pour engraisser. Pour engraisser. Des partis comme l'UP. Voilà. Ben, donc, ils se défendent, hein. Ils disent non, que c'est la partie visible, comment dire, la partie incongrue que nous voyons. Le B. Oui. Non, mais analysons les choses. On ne vante pas la popularité. Quand tu vois, on tombe sur une liste comme celle du B dans la 6e. C'est qui la tête de liste, c'est le Ram Nathaniel Sokoué. Député en date. Donc il est candidat à sa succession. Sa propre succession. C'est le deuxième qu'ils ont pris. C'est vrai, il est de Godomé, le ministre Sokoué. Mais il est inconnu au bataillon. Qui connaît Sokoué en matière de militantisme à Godomé? Soit on sait bien. Mais on ne le connaît pas. Il doit travailler, Valentin Sokoué. Ils doivent trop travailler. Quand on prend le troisième, c'est Agosou. C'est Agosou Cressant. Il est natif de Calavi, il est jeune. Ça pourrait faire un peu l'affaire. Mais regardez, Ali Azer, le CA central a déjà été positionné 4e suppléant. Oh là là. C'est inconcevable. Alors qu'il est en fonction. Il est CA central. Oh là là. Devant des dinosaures comme Valentin Koudé, devant des dinosaures comme Laurent Moutaï, devant des puissances comme le maire de Zé Amadé Moussa. Qu'est-ce qu'un 4e suppléant peut avoir comme motivation à aller travailler sur le terrain? C'est pas, je dis que c'est une liste qui n'existe pas. Quand vous allez à Soava. Ça a mal fonctionné. Alors, vous allez à Soava. Ceux qui ont pris à Soava, ils les ont positionnés en suppléant. Alors, donc, je me dis que si l'UP s'organise en face de lui, c'est un champ de maïs, il n'y a rien là du tout. Comment le BA a-t-il pu fonctionner comme ça pour qu'on puisse avoir cette liste-là? Seul le PA a le secret de ses positionnements, ou ceux qui l'ont fait en ont le secret. Parce qu'il doit avoir sa main quand même. Pour moi, c'est vouloir noyer volontairement le BA que de faire cette liste-là. Et ça n'arrange que l'UP. Si l'UP s'entend, si l'UP s'organise, l'UP peut arracher tous les 8 sièges. Parce qu'aujourd'hui, pourquoi je me réclame? Je trouve membre de parti de travailler pour et que je sois, il faut que je sois bien positionné. Ouais. J'ai pris le cas de Zé. La circonscription électorale comporte 3 communes, Calavi, Soava et Zé. Et les deux partis ont choisi de prendre comme commune politique Godomé. Alors, donc, politiquement, on a 4 communes, mais administrativement, on a 3. Alors, donc, les positionnements arithmétiquement doivent me permettre, moi, qui suis chef, quand j'ai pris la tête de l'île, par exemple, à Calavi, 10e peut être à Godomé, 3e peut être à Zé, et 4e à Soava. C'est ce que le plus bête peut faire. Comme ça, pour rallier les gens. Les forces en présence s'équilibrent. Très bien. Maintenant, aujourd'hui, on remarque qu'on prend, pour prendre une force à Soava, qui est une commune où ils ont 7 élus communaux, vous imaginez, on positionne ce qu'on a mis là comme suppléant. Oh, les gars, on 7 élus communaux. Vous les présentez comme suppléants. Et du coup, les gens se disent, on se rallie à l'UP pour travailler. Oh là là. On ne se retrouve plus dans ce parti politique. Azer, même scénario. Ils ont près de 8 ou 9 élus communaux. Mais on prend le siège central, qui est en date qu'on connaît très bien. Avec sa force de frappe, on le met suppléant. Donc, il est complètement démotivé. Est-ce que c'est pas fait contre ses intérêts? C'est ça que j'ai dit. Je me dis peut-être que les gens ne veulent pas que le BR ait d'ascendance dans la circonscription électorale. Les gens ont choisi leur parti dans la 6e. C'est le parti choisi qui ne veut pas s'entendre et travailler convenablement. Oh là là. Sinon, le truc est à partir de main pour les gens de l'UP. S'ils ne laissent pas les clivages à l'interne, l'UP va capitaliser ses failles et aller le BR risque de capitaliser ses failles et aller plus loin. Tout à fait. Parce qu'on ne comprend pas. Lui, il recherche quand même très bien. Comment dire, la force pour pouvoir absolument gagner. On ne comprend pas que vous avez le jeu à portée de main. Au lieu d'aller travailler sur le terrain, vous êtes là à vous tirer entre les jambes. Ce n'est pas possible. Mais l'autre cas dont je souhaite qu'on parle, c'est celui de Valentin Koudé. On ne le voit pas sur la liste, ou bien j'ai mal lu. Mais pourquoi vous voulez voir Valentin Koudé sur la liste? Est-ce que c'est quand même un député. C'est un des doyens après Bruno Amoussou, c'est lui le doyen. C'est lui le doyen du parlement. Il a fait 6 parlements. C'est le doyen. Mais après Bruno Amoussou, c'est lui le doyen. Mais est-ce qu'on fait la pression? On doit faire la pression toujours pour être député. Est-ce que Valentin Koudé vous a dit qu'il lui vient député? Mais est-ce que c'est ce qu'il nous a toujours montré? C'est pour ça que ça étonne. Ah, mais il va me dire comment? Il est venu à la radio ici pour dire je vais être député. Mais c'est vrai, moi, j'avais voulu voir. Je n'ai pas connu Valentin Koudé, malgré mon âge, ailleurs qu'à l'hémicycle. Tout à fait. Je l'ai vu aller à l'Assemblée sous la bannière de la RB. Et quand il s'est libéré de la RB, le gars a toujours. Non, je croyais aller à la bannière, pour la première fois sur la bannière de l'IPD de Moïse Messa à l'époque, avec comme logo la lanterne. C'est après ça qu'il est allé vers la RB. La RB. Oui, après il est allé à son parti politique et puis il n'a pas arrêté jusqu'à présent. Et il a toujours renouvelé son siège. Il faut dire que c'est un député traditionnel de la 6e. C'est un dinosaure politique de la 6e. On ne peut pas le lui ôter. Maintenant, avec l'atmosphère politique actuelle,
Est-ce que Valentin a découlé? Moi, j'aurais bien voulu le voir en temps, avec l'absence de Georges Bada, avec l'absence de certains dinosaures de la politique, le voir contre le maire Rousseau des Patrices sur le terrain politique. J'avais voulu que le discours politique soit mené, parce qu'on le veuille ou non. Ils sont des pères du discours politique dans la sixième. Surtout, Valentin a découlé. Si on parle de la politique dans la sixième et qu'on l'exclut, c'est qu'on ne parle pas de la politique. Maintenant, est-ce que Valentin a découlé dans cette négociation pour aller à l'UP, il figurait être sur la liste de l'UP? Point d'interrogation. Et demain, je vais vous conseiller, Valentin Tidikoudé, il est ouvert, en tout cas de mon expérience, il est ouvert au dialogue, il est ouvert aux émissions, s'il veut parler. Donc, je vous suggère de l'appeler, de lui demander. Mais moi, je me demande, ça, est-ce qu'il pourrait aller à l'UP? C'est une belle suggestion que nous allons prendre. Oui. Et on va l'appeler. Alors, est-ce qu'il pourrait aller à l'UP? Il avait, est-ce que le contrat était de ce qu'il serait candidat? Mais c'est quand même inimaginable qu'il ne négocie pas ça. Mais vous voyez ce qui est visible. Parce que ce que nous voyons, ou les intérêts du moment, les enjeux, je dirais, du moment, c'est quand même d'abord l'Assemblée nationale. Mais bien au contraire, si je vous invite à lire l'Assemblée nationale actuelle et à lire les en présence. Vous avez remarqué que le chef de la mouvance est beaucoup plus inscrit dans la logique du renouvellement de la classe politique nationale, du rajeunissement de la classe politique nationale. Mais est-ce qu'on a pu vraiment atteindre cet objectif, avoir les listes en présence? On le veut ou non, dites-moi, les plus anciens, quelques-uns comme Badamassi, quelques-uns comme Biotchane, quelques-uns comme Guyan Robert, sur la liste de l'UP, c'est presque absent. Vous n'avez pas voir. L'UP, je ne vois pas le vieux, les têtes de liste. Après quelques... Mais il y a un certain... Comme Akhenatoné. Voilà, qui revient. Mais il y a un certain Victor Tokpanou qui était dans l'ombre depuis. Tokpanou n'est pas un politicien, c'est un technocrate. Ne confondons pas les choses. Mais il est sur le terrain politique. Un bon politicien, un bon technocrate, c'est un mauvais politicien. Je ne dis pas que Tokpanou l'est, mais si on doit énumérer, citer les politiciens traditionnels, Tokpanou ne peut pas le citer. Ce serait une erreur monumentale grave que de citer Tokpanou parmi les politiciens traditionnels. Mais il est chef de parti politique. Oh oui, mais parti politique, on dit, il faut, lui-même ne devait pas s'en négocier. Mais pour être parti politique, on sait. Maintenant, il avait été ministre, ça c'est des nominations. Il a occupé quel poste électif au Bénin depuis jusqu'à présent? Mais là, il commence. Aucun. Et donc, on ne peut pas dire... Il commence maintenant. Oui, il a commencé, mais comment est-ce qu'il a commencé? Il est tête de liste. En fait, Tokpanou n'est pas vieux. Tokpanou est dans la cinquantaine. Il n'est pas jeune non plus. Ne le citons pas parmi les chefs de parti, les politiciens traditionnels de la sixième. Non. Tokpanou est venu, par la force des choses, prendre la tête de liste de parti dont il maîtrise très peu de choses. Nous sommes dans la sixième. On a toujours vu les sorties politiques de la sixième, mais n'a jamais été présent à aucune sortie. C'est ce que l'une des choses que je pense à cette liste. Quand on sait qu'on devait le positionner depuis 3 mois, au moins 6 mois, au moins on devait lui dire comment ça va sortir un peu. Parce que il est un point de faiblesse pour cette liste-là. Mais il est sorti un peu et puis il est entré en hibernation. Il a fait depuis, quoi? Depuis que, bon. Il était sorti quand il s'agit de la révision de la Constitution. C'était monsieur de la révision de la Constitution, c'est lui qui avait tous les arguments juridiques possibles pour montrer à la République nationale et internationale que notre Constitution peut être révisée. Sans toucher aux fondamentaux. Bon, c'est peut-être le bonus à ce travail qu'il a fait. Mais moi, j'aurais voulu. Tokpanou n'est pas un mauvais type. Mais lui, à l'Assemblée nationale, il peut quand même faire quelque chose. S'il a la liberté, il a la capacité quand même. Mais qui est là qui n'a pas la capacité? La législature. Mais qui est là qui n'a pas la capacité? Il y en a beaucoup. Mais là, ceux qui ont la capacité, ils en ont beaucoup. Mais ceux qui ont la capacité parmi eux, ils ont dit quoi? Qu'est-ce qu'il peut dire? Alors, et donc c'est pour dire qu'est-ce qu'il peut que Tokpanou peut être bon. Il peut être à côté de Dieu, il peut être demi-dieu, il peut être le suppléant de Dieu ou l'agent de Dieu. Il va servir de phare. C'est l'environnement qui favorise, qui conditionne le discours qu'il va tenir. Et c'est l'environnement prêt à ce que Tokpanou puisse s'extériorer tel un bon cadre de la République, tel un bon professeur, tel un bon universitaire. Point d'interrogation. Mais il trouvera le moyen, puisque l'homme n'a toujours pas, toujours sa langue. Mais Harry Faribako, un universitaire rompu, quand au début du système avait commencé à dire, il faut de la contradiction à l'Assemblée, Monsieur le Président, je ne suis pas d'accord avec l'Assemblée. Mais il est parti à l'international. Mais on l'a balayé. Je ne sais pas quelle chimie on l'a encore repêché sur la liste. Non, mais il a été élu, son suppléant n'a jamais pris fonction. Oui, mais il était déjà élu avant de commencer à faire son discours là. Tout à fait. On dit, ce n'est pas bon. On a trouvé le moyen de le faire partir. L'évacuer. Pour moi, c'est pas de l'évacuer, s'il vous plaît. Je ne sais pas comment il a pu se retrouver encore tête de liste maintenant. Je ne sais pas. Écoutez, c'est la formule. Ça peut dire que si l'environnement est propice, bien, vont parler.
Si l'avenir n'est pas propice, il ne sert à rien de dénoncer. Sinon, on va te zigouiller et ce que tu reproches va se gangréner. Donc, il ne sert à rien de dire. Les hommes pour parler ne manquent pas. Ce qu'ils vont dire ne manque pas. Mais est-ce que l'environnement est approprié? Est encore approprié à ça? Non, s'il faut. Mais il faudra travailler à cela. Non, c'est l'un des objectifs de la prochaine législature. Parce que ici, la huitième, hein, franchement, elle a été, sur le plan politique, la sixième. Taiseuse. Non, oui, c'est vrai. La huitième, c'est normal. La huitième. La huitième, c'est ça que je vous dis. Ils vont dire quoi quand il n'y a que des partis de la mouvance qui se réunissent? Depuis l'histoire de notre pays jusqu'à présent, après avoir vu un parlement seulement composé de deux partis politiques de la mouvance. Du même courant. Oui, c'est un seul parti politique, mais les deux forment un. Les deux vont se plaindre chez le même papa. C'est ça. Alors, donc, et le papa n'a qu'à faire. Vous imaginez qu'il y a un parlement qui interpelle le gouvernement envoie un cadre? Mais c'est inadmissible. Et ça a parlé. Mais ça, on envoie des cadres seulement. Les ministres n'ont plus aucun respect pour les députés. On a vu ici les députés renvoyer un cadre de l'hémicycle. Mais très bien. Je ne voudrais pas rappeler le nom. Mais aujourd'hui, aujourd'hui, ambassadeur, je crois. Bien sûr. Non, mais et puis ça se répète maintenant. Les députés interpellent le gouvernement. C'est quand il plaît à un ministre qu'il y va. S'il ne nous va pas parce qu'ils n'ont rien à dire. Mais comment ça se peut? Ça, ce n'est pas une fierté. Donc, c'est pour ça que je dis, il faut que l'environnement change pour que le discours puisse changer. Alors, pour que l'environnement change, vous voyez l'opposition aller à l'Assemblée, les démocrates, la FCBE, avec tout ce que nous apprenons. Nous, en tant qu'éveilleurs de conscience, nous avons tout intérêt à solliciter. J'avais posé cette question au les début. Les dirigeants. Vous vous souvenez, Hilarion Caillon. Très bien, on en a toujours débattu. On en a toujours parlé. Il est temps qu'on fasse l'ouverture pour que... On commence par sentir de la contradiction au Parlement. Mais le Parlement n'est pas à essence le lion au sein de la démocratie dans un pays. Politique. Très bien. Mmh. Et donc, ce n'est pas fier. Moi, je ne suis pas fier quand tu voyages pour parler aux gens de la démocratie. Et toi, chez toi, il y a tout sauf ce qu'on appelle démocratie. Oh là là. Donc, le débat que tu as doit revenir au Parlement. C'est clair. Et on a tous à y gagner. Et gouvernant et peuple, tout le monde a... Malheureusement, on n'est pas à la Sénat. On n'a pas la Sénat, mais aussi ses opposants. Puisqu'il ne sert à rien de se faire sur ce que le peuple veut pour ne pas travailler. Parce qu'il faut payer ses impôts. Il faut payer ses impôts. C'est une obligation. Tu ne peux pas être là parce que tu te dis, le peuple va s'apitoyer sur ton sort et tu ne payes pas. Tu vas se faire sur ça. Et puis après, tu penses qu'on va te faire des conditions particulières. Non, ce n'est pas normal. Il faut payer. Possible. C'est comme me dire, j'ai payé, on ne pas positionné, qu'on peut dire, ah, et t'es dit, ouais, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Vous m'excusez. Qu'est-ce qui se passe? Mais là, vous ne payez pas, vous voulez se faire sur la pitié du peuple. On veut agir sur le peuple. Non. On a tout chanté ici. On veut se victimiser. Non. Si l'opposition rate ses élections, c'est qu'elle s'est creusée sa propre tombe. Ben, c'est inadmissible. Encore. Aujourd'hui, le chef d'État a montré, dans tous les cas, son apparente volonté de laisser. Merci. Merci vraiment pour le qualificatif. Donc, oui. Parce que, oui. Quand même, hein. Oui. On se pose des questions. On a vu. On aurait pu sauter, par exemple, si on veut vraiment l'opposition, en tout cas, tous les courants se retrouvent à l'Assemblée nationale, on aurait pu sauter cette question de quiétude fiscale. S'il vous plaît, nous sommes dans une économie purement fiscale. Oui, mais. Notre économie, on n'a pas de ressources minières. On ne travaille que sur les ressources fiscales. Et donc, c'est inadmissible. On va continuer ainsi. Ce que je voudrais demander plus tôt, c'est même pour nommer ministre que le ministre président son quiétude fiscale. Mais voilà. Pour aller à l'aide d'une décision pour prendre son quiétude fiscale. Parce qu'on ne peut pas vouloir cacher. Son contraire, c'est le peuple qui va développer ce pays parce qu'on n'a pas de ressources minières, on n'en a rien du tout. Donc on fonctionne sur nos ressources. Après, c'est des prêts à l'international. On peut avoir des ressources, halieutiques, on peut avoir des ressources agricoles. On travaille à ça. Oui, mais bien sûr, ces ressources dont vous êtes en train de dénumérer d'ailleurs, constituent quelle proportion dans la création? Non, je dis, on va y arriver. On va y arriver. On va travailler à mais promouvoir. Mais pour le moment, il faut que chacun s'acquitte de ses obligations. Mais c'est quand même depuis 1960 qu'on aurait pu faire ces options-là. Alors, mais pourquoi vous voulez que Talon prenne ça comme une option principale dès maintenant? Oui, parce que ça limite des gens. Ça empêche les gens à y aller. Il faut commencer quelque part. Parce qu'on ne peut pas... Mais on a remarqué quand même... On ne peut pas diriger un pays à qui on doit. On a remarqué que cette décision-là empêche tout un courant à y aller. Oui, c'est ce que nous remarquons. Maintenant, le problème réel... Et ça pose des problèmes à notre démocratie. Qui est dans la démocratie aujourd'hui qui n'a pas été au pouvoir hier? Personne. Alors, quand tu diriges le pouvoir, quand tu bouffes les sous du pays, il faut t'en aussi pour payer tes dettes. Je ne suis pas d'accord avec ça. Ça mais je suis d'accord. Contre le fait qu'on fasse deux poids, deux mesures.
Et là, aujourd'hui, on peut le dire quand même. Hein, que je n'ai pas encore observé le cas de deux poids, deux mesures. Que le gouvernement a évité ce cas de deux poids, deux mesures, parce qu'il y a des grands noms qui circulent sur les réseaux sociaux. Nazaire, ouais. C'est vrai que Sadio Nazaire aurait emprunté l'AS Cotonou Lomé, entre-temps que ça pourrait être la cause de sa non-délivrance de son crédit fiscal. Alors là, ça aurait pu. Donc, je ne sais pas. Donc, il est en disgrâce. J'aurais appris que ça serait parmi les conditions pour lesquelles il n'a pas retrouvé son crédit fiscal. Alors, quand on sait aussi que le chef ne pardonne pas sur des trahisons. Ah oui, ça, c'est genre d'actes. Quand on sait, on a appris que Souy n'a pas eu. Quand on sait, l'intervention de Souy. À l'Assemblée nationale, en pleine Assemblée nationale pendant la période présidentielle, on sait que c'est possible que pour ça, ceux qui disent ne pas être au rendez-vous. On n'a aucune preuve. Mais dans tous les cas de figure, nous sentons qu'il y a de hautes personnes, de hautes personnalités, de la mouvance présidentielle qui ne sont pas vus délivrer leur crédit, comme Souy, comme Sadio Nazaire et plein d'autres. Et plein d'autres. Donc, on peut déjà conclure qu'il n'y a pas deux poids, deux mesures dans tous les cas de figure. Mais nous remarquons aujourd'hui qu'à peine il y a trois. Que les démocrates brandissent comme ils n'ayant pas eu leurs crédits fiscaux. Mais de l'autre côté, il y a près d'une quinzaine, vingtaine. Mais c'est éliminatif. Mais ils n'ont pas changé. C'est éliminatif. Lui n'est indispensable. Mais est-ce qu'ils peuvent changer là maintenant? Ils n'ont pas changé. Bon, donc ils vont à la maison. La Sénat a parlé de 72 heures pour aller compléter les listes. Et non intervenir encore sur les listes. Eh oui, mais ils ont. Et s'il vous plaît, tu ne peux pas avoir des biens dont les crédits fiscaux, dont les tasses des impôts avoisinent près du milliard. Et tu es content, je vais encore venir diriger ce pays. C'est inadmissible. C'est pas normal. Ça donne de la nausée. Ce n'est pas normal. Il faut que les gens payent. Nous, on nous pressure pour prendre les taxes. Mais vous qui avez dirigé, vous ne pouvez pas. Il a rien qu'à dire. Les politiciens savent toujours s'arranger, non? Mais comme on ne s'arrange pas sur le dos du peuple à tout le temps. Sur le dos du contribuable. À tout moment. Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est pour ça que je nous dis. On a tout le temps défendu les démocrates dans ce studio ici, mais il est temps qu'ils s'acquittent de leurs obligations fiscales du pays. Mais il y en a plein qui ont payé parmi eux. Mais quand vous savez que vous endettez, pourquoi vous vous mettez sur la liste? C'est ça. Mais c'est bête de faire comme ça. Mais si vous êtes indispensable pour votre parti, peut-être que c'est de grands mobilisateurs. Allez payer. C'est de grands mobilisateurs. Là où ils sont même très égoïstes, cher ami Peggy. Attends, les trois là, il n'y a que eux pour que le parti prospère. S'il vous plaît. Il faut toujours avoir un schéma B. C'est ça que je reproche à cette opposition. Ils sont toujours sur le schéma A. Ça, j'avais passé à un schéma B, à leur place. Avant, ils déposaient cette liste. Écoutez, quand on sait qu'on ne affronte pas le lion avec n'importe quel âme, comment tu te dotes d'une lance-pierre et tu vas affronter le lion? Le lion va te la valer. Il va te faire arraquer. Ce qu'ils ont fait là, c'est une plaisanterie de mauvais goût. Ils se sont creusés leur propre tombe. Et ils en seront victimes. Aucun peuple ne les suivra. Pourquoi voulez-vous. Vous savez que. Le Divan Patrick est un véritable débiteur de la République. Pourquoi vous le mettez sur la liste? Non, c'est pas possible. Mais c'est fort. Pourquoi vous dites qu'il est un débiteur? Mais c'est pas moi qui l'ai dit. Il doit près de milliards d'impôts. Mais c'est un débiteur. Un débiteur traditionnel de l'État. Et vous savez que celui-là, on va réclamer le quitus. Pourquoi vous le mettez là? C'est l'exposé. C'est vouloir sa propre mort, ça. C'est tout. Mais qui? Tu penses que. Donc, dans tous ces partis, il n'y a que 215 personnes qui peuvent représenter vraiment le peuple. En tout cas, le peuple à l'Assemblée. Le peuple comment? Oui, le peuple, oui. Chacun prend le peuple. Sa partie du peuple. Chacun prend sa part du peuple pour avoir ses députés. Aïe, aïe, aïe. Mais c'est ça. Il arrive. Donc, il pense que c'est les deux sacs là. Sacré député. Non, mais c'est que quand je vois les choses là, moi seul, je ris et je pleure à la fois. Mais il n'y a pas de solution. Je vois les peines de mon ami Eric Rouleté. Mais il souffre. Quand tu souffres, que tu veux sortir de la souffrance, trouve des voies idoines. Tu ne peux pas affronter Talon avec de la plaisanterie, avec de la légèreté. C'est pas possible. Talon est fin. Talon est très fin, là. C'est un animal politique. C'est un félin politique. Pour le faire, on ne peut pas s'agripper seulement à un schéma A pour aller à une élection. Non, c'est pas possible. Trouver le schéma B. Au cas où, vous ne commencez pas à remplir. Voilà déjà la FNN, NFN. La nouvelle force nationale qui est écartée. Les démocrates qui sont en passe d'être écartés parce que on se rend compte, ils ne peuvent plus changer à la dernière minute. Parce que la Sénat a bien dit, c'est pour compléter c'est pour compléter les pièces. Absolument. Alors, troisième partie, c'est la FCBE. Bon, ils sont en passe de passer. Nous avons au moins le chef de l'opposition qui a réussi. Qui a réussi. A déposé sa liste. Mais là, c'est un homme à féliciter. Est-ce que ça, c'est. C'est un homme à féliciter. Est-ce que c'est d'une sincérité. Ah, mais s'il te plaît, qu'on peut défendre. Non, pas le chef de l'opposition, cher ami. C'est-à-dire l'opposition, il est devenu à travers une partie du peuple. Mm-hmm. Je vous l'ai dit tout à l'heure, chaque
parti politique prend sa partie du peuple pour se constituer ses élus. Ses élus. Mais il a pris sa partie du peuple pour se constituer sa force. Un confort lui permettant d'être le chef de file. Le chef de file de l'opposition. Et heureusement, regardez, on peut tout reprocher à Rumpé. On a vu le professeur Toléba dans ce pays qui n'est pas été capable de déposer le dossier de ses militants. Mais Paul Rumpé, à toute résistance, a déposé à bonne date et sans reproche majeur. Mais il est à féliciter. Quand vous voulez combattre quelqu'un comme lui et que vous ne vous prenez pas au sérieux, vous prenez tel que ce ouais, mais il peut avoir reçu dans l'ombre quelques aménagements, quelques assistances. Vous n'en savez rien. Je parle de ce que je vois. Voilà. N'étant pas fantôme, je ne parle pas de ce qui est obscur. Non, c'est pas que je des fantômes. Vous voyez bien le dessous de la table. J'ai vu, avec sa délégation, comme tout autre parti politique, Paul Rumpé aller déposer. Et il a même été saignant vis-à-vis de ses confrères de l'opposition. C'est ça que je n'ai pas compris. Mais attends, et qui veut parmi eux de la vie de Paul Rumpé? Personne. Il sait de la vie ou... non, de même, la pas, vie. Pas à ce niveau-là. Je dis bien de la vie VIE. De Paul Rumpé. Personne. C'est quoi? Donc, il a raison. C'est des guerres de personnes. Mais c'est ça, la politique. C'est la guerre. Comme, oh, toi, je m'y mets. Oh là là. Mais Eric ne serait pas content d'être chef d'étude de pouvoir demain à la disparition de Paul Rumpé. C'est d'ailleurs pour ça qu'il travaille. Ah non, c'est pour ça que c'est normal. N'attendez pas à ce que. C'est comme les partis de la mouvance se combattent entre eux. N'attendez pas de Paul Rumpé des propos doux à l'endroit de ces. Mais est-ce que c'est pas con? Est-ce que c'est pas bête? Parce qu'il aura besoin quand même, si je vois, par exemple, le Parti des démocrates écarté effectivement de cette course, il pourra bénéficier du soutien du Parti des démocrates. Vous savez, parce que c'est quand même l'opposition. Est-ce qu'ils ne peuvent pas se mettre ensemble? Ici, on a passé ici. Une émission? À la chicotte. Les partis politiques de l'opposition. Mais comment vous les approchez? Le gars, le type est déjà là. Il peut être là. La manière n'importe pas. Il est déjà là. Quand vous venez vers lui, ne lui dites pas, sors, moi je vais rentrer. Collaborer d'abord. Le gars n'a aucune manière de négociation. Paul, on peut lui reprocher tout. Mais il est déjà là. Il est déjà chef de l'opposition. Il en jouit déjà. Quand vous venez en tant qu'opposant, écoutez, l'intention n'est pas de lui, mais vous collaborez. Vous collaborez. C'est depuis la naissance des démocrates jusqu'à là où nous sommes, ils n'ont jamais vu Paul Rumpé de bons yeux. Il ne gère pas le de bon. Et puis, la guerre y est. Donc, le talent seul. Peut-être parce qu'ils sont convaincus que, bon, il n'aime pas loger à la bonne enseigne. Eh, mais comment? Le seul indice d'appréciation des gens, c'est des politiciens, c'est l'élection. On a toujours parlé de l'opposition fabriquée de talents. Oui, moi, j'aurais bien voulu penser à ça. J'aurais bien voulu. Mais suivez les derniers discours de Paul Rumpé. Bon, Paul Rumpé, c'est vrai, arrivé à un moment donné, moi. Je l'ai discrédité de son titre de chef de l'opposition. Je n'ai pas accepté ça. Mais quand vous voyez celui-là... Mais est-ce que lui aussi, est-ce qu'il n'a pas, on peut quand même pas lui reprocher son manque d'allant, comment dirais-je, pour aller vers les démocrates, mais pour rassembler l'opposition. Peggy, moi, il sait par exemple oui. qu'il a rencontré tous les partis politiques qui se réclament de l'opposition. Il a rencontré les démocrates. Tout, appelez Paul Rumpé, il va venir poser lui des questions. On n'en a pas entendu parler. Non, peut-être que vous voulez jouer. C'est les histoires sous cap. Non, il est facile de ne pas vouloir se réveiller. Non, pourquoi? Quand on dort, on peut être endormi. Moi, je parle de ce que je sais, comme vous aussi. Non. Moi, je ne. C'est vrai. Paul Rumpé peut être crédité de tous les noms. A été fabriqué ou pas fabriqué. C'est ça que je vous dis. À ce moment-là, qu'il est fabriqué. Et qu'il se dit, posez-lui des pieds, il n'a qu'à tomber dedans. Nous venons le voir, on viendra avec toi. Il est très averti. Que celui qui l'a fabriqué l'est encore plus, si c'était vrai. Il ne sait pas quelqu'un fabriqué par quelqu'un. Mais qu'on le veuille ou non, aujourd'hui, là, vous refusez de vous réveiller. Paul Rumpé n'est pas dit qu'il est de l'opposition équilibrée ou non équilibrée. Il est juste de l'opposition. Et ses discours sont taillés comme tels. Mais ça, c'est lui qui le dit. Vous remarquez, mais vous ne voyez pas qu'il est de l'opposition. Hein? Un mouvement, c'est tient le discours que Paul Rumpé tient. Mais non, il ne tient pas ça. Quel discours? Vous ne l'écoutez pas, mais vous soyez... Moi, je l'écoute en train de donner des coups de franche dans son opposition. Et Azanahi, qu'est-ce qu'il fait? Vous ne le regardez pas de l'opposition? Azanahi ne va pas aux élections. Mais attends, même si son discours, c'est un discours de celui qui, selon vous, est de votre opposition.
Quelle opposition? L'opposition dont vous parlez. Ah, d'accord. Pas, moi, je ne suis pas de l'opposition. Dans tous les cas de figure, moi, je suis journaliste. aujourd'hui. Pas d'amalgame. Aujourd'hui, il importe clairement que les démocrates se réveillent. Parce que moi, vous savez, s'ils vont aux élections, rien gens comme moi ne peut que leur accorder son suffrage. Moi, je ne peux pas voter pour deux personnes si les démocrates allaient aux élections. Parce que ça, c'est la majorité des bénévoles qui disent. Pas parce que j'aime quelqu'un parmi eux, je ne connais même pas, à part le président Eric. Au moins le vrai. Et quelques-uns que je connais. Je ne connais pas les candidats des démocrates dans ma circonscription électorale. Mais pas souci de démocratie. Par envie de revoir la démocratie, je vais leur accorder mon suffrage, comme beaucoup d'autres personnes. La démocratie reverdir. Alors, donc quand on vient aller aux élections, c'est qu'il y a des députés potentiels sur sa liste. On les sort d'abord. Parce que c'est bête que de déposer une liste comme ça et qu'on fasse des reproches donc aussi. Donc eux-mêmes, ils sont convaincus qu'ils n'y allaient pas. Alors, ils sont convaincus, ça veut dire qu'ils ont creusé les problèmes pour avoir encore de la pitié du peuple. Le peuple ne sera pas au rendez-vous cette fois-ci. Ouais. C'est pas bon. Pourquoi ne pas enlever depuis le début d'Ivo qui doit près du milliard? Ceux qui ont, sinon des potentiels débiteurs, sortez-les. Il n'y a pas des jeunes à la base qui sont virulents. Ils sont pleins. Mais y a aussi, ils sont pleins. Il y a aussi la capacité financière pour pouvoir à la caution. Mais ça veut dire qu'à la caution, ils ont fait de la soulaille, non? Ils ont fait des dons, mais. Alors, ils ont fait de la soulaille. Ça peut donner combien? Mais, surtout pas cet an qui court. Yaïboni est là. Est-ce qu'il a encore leur temps? Si je réclame toujours de l'opposition, c'est fini. Il a déposé sa touche politique. Donc, il faut que les démocrates disparaissent. Si Yaya a déposé sa touche, il faut qu'ils disparaissent. Pourquoi? Mais attends, monsieur, ils n'ont que de Dieu que Yaï. Yaï disparaît des démocrates. Les démocrates ne vont pas exister. Et on a vu, heureusement, on a vu ensemble que Yaï ne parle plus de ça. Yaï parle de son pécunier. Il parle de lui-même. Il parle de ses enfants. Il parle diplomatie. Il parle. Non, soyons sérieux. Il parle de son pécunier, de celui de ses parents, de celui de ses enfants. Pourquoi vous voyez l'aspect pécunier? Mais écoute, s'il te plaît, quand il s'est agi d'aller à la CEDEAO, il a pris qui comme plus proche? C'est sa fille. C'est sa fille. Mais qui est fou? Alors, donc, c'est pour dire aujourd'hui, on n'a pas une opposition structurée, organisée, consciente. On n'en a pas. Mais aider l'opposition à avoir les moyens. Alors. C'est pas nous de les aider, c'est à eux de chercher les moyens de leur politique. Ils sont allés même vers vous pour vous dire donnez-nous l'argent pour y aller. Mais personne n'a répondu. Les frères de Kéman ne peuvent pas suffire pour réaliser ses propres projets. Mais il faut tu aider. Ajoutes ce que tu veux et puis tu vas continuer. Sinon, pas les moyens de leur politique, ils disparaissent. Oh là là. Malheureusement, c'est ça qui c'est. La politique, c'est un rapport de force. Résultat, ils ne seront pas à l'Assemblée nationale. Et il l'aurait voulu. Il l'aurait voulu. Parce qu'il n'y a que trois personnes. Mais s'il te plaît, Peggy, disons la vérité à ces types-là, ce n'est pas normal. Il y a trois personnes. Donc, il n'y a pas trois personnes qui peuvent voir dans les départements du Bénin pour remplacer les depuis le dépôt de dossier comme plan B. Non. Reconnaissez qu'ils ont franchement mal agi. Ils ont mal managé. Si déposé, on dit maintenant, tu as trouvé un autre alibi pour les brandir, le peuple sera debout. Mais avec ça, tu dois payer près du milliard. Et tu n'as jamais payé, tu viens de me dire, je vais être député, peuple, il faut se soulever. Mais qui va se soulever? Qui est fou? Non, s'il vous plaît. Moi, c'est les gens qui ont déçu le peuple. Moi, je fais partie de ceux qui ont déçu. J'en fais partie. Puis moi, je ne trouve pas opportun. Regardez les deux parties. On les revoit encore au Parlement. C'est une honte nationale, internationale. Moi, je suis un voyageur. C'est inadmissible. Quand on en parle, j'ai la chair de poule. Mais eux-mêmes, ils refusent. Moi, je les évite pas au Parlement pour autre chose, juste pour le débat. Vas-y, viens, c'est d'abord. Pour l'équilibre du débat. Et c'est fini. Sinon, si c'est que le pécunier, c'est d'abord leur famille et eux-mêmes. Qui n'est pas là, qui n'a été au pouvoir une fois. Quand ils pensent à personne d'autre. Alors, c'est eux-mêmes. Donc, c'est du même au même. Seulement, il faut que le débat politique soit équilibré et que l'audace revienne au Parlement. Il faut qu'on sente les dénonciations au Parlement. Tant qu'il n'y a pas de l'opposition, il n'y a pas de dénonciation. Le pire peut se passer que sous les autres régimes, vous n'entendrez pas. C'est parce qu'il n'y a pas de l'opposition. Il y a de l'entente autour. Alors, c'est pour ça qu'il faut lutter pour l'opposition soit, que l'opposition soit présente. C'est pour ça qu'il faut leur accorder. Mais les gars ne s'organisent pas. On va mettre de l'argent dans du vide. Ils ne s'organisent pas. Donc, malheureusement, si le FCBE sait lutter, et peut tirer sur le plan du jeu, et tant soit peu, contribuer à l'équilibre des discours au Parlement. Si ce n'est pas le cas, malheureusement, on assistera au même discours du matin au soir, comme on l'a fait durant les 4 années passées. Parlons Mouel Bénin. Mouel Bénin. Mouel Bénin peut traverser les mailles? Bon, je ne sais pas comment les gens s'organisent, mais dans tous les cas de figure, selon toute vraisemblance, le type qui gère Mouel Bénin est équilibré. Et il court dans tous les sens. J'espère bien qu'il pourra le faire. Mais à l'entendre parler, c'est un homme qui a apparemment la politique de les moyens de sa politique. De sa politique. Apparemment. Bon, c'est quand même le directeur général des grands travaux. Hein. C'est sa caisse privée.
Hein? Vous m'apprenez beaucoup. C'est ça, caisse privée. Est-ce que moi je sais? Grâce à vous. Mais vous dites que j'ai pas de moyens, vous dites que j'ai directeur de grâce à vous. Ah bah, c'est ça, fonctionne. Quand on est ministre des Finances, c'est qu'on doit être riche. Ah, moi je sais pas. Hein. Non, mais c'est ça le problème réel. Je n'en connais pas de ministre des Finances qui soit pauvre. Mais j'ai vu Serlin Cosme qui n'a pas été riche. Encore un ancien douanier. Bon, laissons-le. Paix à son âme. Citer tous les autres. Mais Mouel Bénin, bon, pourrait. Moi je. Pourrait. En parlant de Mouel, je parle aussi de l'UDBN. Ouais. Peuvent-ils partir ou pas? Seul Dieu saura. Mais je dis, c'est des gens d'audace. Mais ils devraient quand même passer. Des gens d'audace. Oui ou non? Des gens d'audace. Mais si sont, pour une bonne démocratie. S'ils respectent, hein? Passer, pour parler d'avoir de députés. Oui. Mais ça dépend d'eux. Non, d'abord, qu'on les admette. Qu'on les admette, ce n'est pas une question de la Sénat. Les règles sont là. S'ils remplissent, qui seront admis. On a vu les fautes majeures, les fautes mineures, leurs effets. Mais pourquoi voulez-vous agripper aux effets négatifs passés? Mais écoutez, ça s'est déjà passé. Évoluez, s'il vous plaît. Ça s'est déjà passé. Maintenant, ça s'est passé. Maintenant, il y a des fautes mineures. Hein? Il n'y a pas de fautes mineures, il n'y a pas de fautes majeures maintenant. Mais on dit, les règles pour franchir sont là. Mm-hmm. Si vous franchissez, c'est que vous passez. Très bien, il n'y a pas autre chose. Mais dans tous les cas de figure, moi, je loue le courage de ces deux formations politiques. Surtout de l'UDBN, qui d'ailleurs est la seule femme aujourd'hui en liste du Bénin, seule, qui est battante, qu'on le veuille ou non, elle est battante, elle est très battante. Bon. Et je ne sais pas si vous avez eu accès à leur liste, mais il y a eu une sorte de, comment dirais-je, réserve, on a réservé, on n'a pas ouvert. Je n'ai pas vu moi, beaucoup pas de communication de autour de la liste de l'UDBN. Cela peut participer aussi d'une stratégie politique. Ça peut être la diplomatie des couloirs qui l'impose. Cette manière de se comporter. De fonctionner. Oui. Mmh. Donc, vous savez bien que la dame qui gère ça est une dame de communication. Oui. Ah, tout à fait. Et contre toute attente, elle entoure ça. Justement, c'est quand même Il y a un contraste. Ce contrario-là, voilà. qui franchement, une dame attire mon attention. D'aussi grande communication, qui malheureusement, subitement, se retrouve en tout son truc de certains mythes. Ceci doit même partir. Dans la sixième, on n'est pas mieux de dire qui était qui. Qui était de liste. Et qui est ça. Et donc, moi, c'est quand même bizarre. Ouais. Bon, chacun a sa diplomatie. Et qu'on le veuille, une colonie de prison sur une dame très insérimentée. Elle a connu beaucoup d'échecs, elle a aussi connu beaucoup de victoires. Beaucoup de victoires. La somme de. Elle a quand même fait deux mandats à l'Assemblée nationale. Très bien, donc elle sait ce qu'elle fait. Elle sait ce qu'elle fait. L'essentiel pour nous, c'est qu'elle soit présente. On a besoin de voir un discours fort féminin. Dans le pays aujourd'hui, avec les gens qui ont déjà fait leur temps, les Marie-Élise Bédo, les Ouattaros et autres. On veut sentir la voix féminine encore sur le terrain. C'est vrai, on a beau dire, on aura 24 femmes au Parlement, mais malheureusement, c'est des femmes profiteuses. Ils auraient profité seulement de leur liste. Ça, je n'appelle pas ça femme. Combat féminin. Voilà, il va une femme qui a mérité sa victoire. Qui a la poigne. Une femme qui a été au combat, qui s'est battue, ouais. qui s'est défendue. Et ça, Claudine sait le faire. Voyez un peu comment le parti a quitté le bloc républicain. Oui, on ne lui a pas fait de cadeau. Très bien, mais elle a résisté. Personne ne lui donnait cher de sa peau. Alors, aujourd'hui, elle se retrouve là. Elle se retrouve, elle est encore en liste. C'est une dame à beaucoup féliciter. Et le souhait aurait été qu'il franchisse tous ces obstacles pour être enfin sur la liste de départ. C'est ça le souhait, parce que, comme je l'ai dit tantôt, son discours va manquer au peuple si elle n'était pas. Elle n'était pas sur la liste. On se souvient de ces sujets, ces batailles, voilà. Il y a quelques jours seulement, pendant les élections présidentielles, t'es une Amazone, elle était tout le temps sur le terrain, et tenait. Je me demande si elle mangeait ou si elle se repose. Vraiment. Et donc, c'est pour dire, franchement, au nom du genre, l'UDBN, serait bien quand on va la voir sur la liste de départ. L'autre chose, est-ce qu'elle pourra avoir le ticket de validation, les 10%? Voilà l'autre paire de manches. Alors, est-ce qu'elle pourra? Bon, c'est elle qui s'est fait. Il y a trop d'obstacles. Je remarque qu'elle fait beaucoup de recrutement ces derniers temps. J'espère bien que le recrutement sera la taille de ces conditions. Mais Béléa Route est là. J'ai vu Hunger Jean-Baptiste, c'est l'un des politiciens révélés. De la rupture qui avait drainé un peu de monde. Qu'on a dû éclipser, qui est revenu quand même. Est-ce que cette trêve ne va pas jouer sur ses militants? Peut-être qu'il a travaillé dans l'ombre aussi. Est-ce que de son lieu carcéral, il a pu toujours continuer la mobilisation pour d'interrogation? Dans tous les cas de figure, il n'est pas des moindres aussi dans la sixième. En termes de mobilisation de personnes, il n'est pas des moindres. Et je vois, c'est vrai que Mme Claudine Prudencio a décidé de ne plus médiatiser ses effets depuis un certain moment. Je vois qu'elle fait beaucoup de recrutement par médias sociaux interposés. J'espère bien que ces recrutements
puisse l'amener à franchir cet obstacle de 10% exigé par la loi. Parce que c'est quand même une représentation nationale. Hein? Ah, bien sûr. Bien sûr. Mais Claudine Prudencio, vous savez, elle avait profité de ce passage au ministère. Et puis, il n'y a pas de département qui n'est pas noyauté. Ça, et donc, je peux vous le confirmer. Elle représente vraiment sur tous les départements. Je peux vous le confirmer. Il y a eu des tournées qui ont été faites. Oui, très bien. On a donc, pratiquement fait le Bénin. Je me demande, l'essentiel, c'est que, est-ce qu'au thème, si elle arrivait à franchir, elle pourrait avoir les 10%. Dans tout le lot des cas, elle aurait réussi à aller aux élections. Ouais. C'était déjà un défi. Elle y aura participé. Voilà, elle gagnerait à y prendre part. Ouais. C'était d'abord le premier défi. Parce et que ça, tout le monde attendait à ce carrefour-là. Bien sûr. C'est pas n'importe qui. Je vous ai parlé de l'université rompue. L'université de haut calibre, le professeur Toleba, qui n'est pas arrivé à l'élection jusqu'à présent. Qui n'a pas pu. Une femme qui le fait. Alors, il faut la féliciter. Écoutez, les combats ne sont pas les mêmes, les parcours non plus. Absolument, bien sûr. Bien sûr, mais dans tous les cas de figure, quand on voit les expériences, les postes occupés par le professeur Toleba, il y a des erreurs qu'il ne peut pas commettre. Il ne peut pas commettre. Toleba a été ministre, DG. Fait. Et donc, il a le temps, s'il a une vision politique, d'asseoir sa propre base et les reconvertir en parti politique plus tard, s'il savait qu'il voulait créer un parti politique. On ne s'invite pas dans la politique au hasard. Et ça, c'est la différence entre des gens comme Toleba et des dames comme Claudine. Claudine est arrivée à montrer qu'elle avait une vision politique. Ah ben oui. Alors, elle n'a pas surfé sur les gens qu'elle a mis sur pied aujourd'hui. Des gens qui existaient de par sa force d'hier. Mm-hmm. Elle veut seulement chauffer ce qui est existant. Puisqu'elle avait déjà installé les bases. Très bien. Ouais. Et donc, c'est ça. C'est pour ça que je dis, ils ont presque les mêmes parcours, et même plus que mieux, du côté de Toleba. Mais qu'est-ce que l'autre en a fait? Moi, je lui ai répondu, c'est mon proche, c'est mon ami. Mais il dit, mais ce n'est pas possible que chaque élection, tu réunisses les dossiers des gens, et puis après, au thème, on ne les dépose pas. Tu n'y ailles pas. Non, ce n'est pas normal. C'est pas normal. J'espère qu'il nous écoute et qu'il saura prendre les mesures qu'il faut. Parlons maintenant de Rekiat Madougou, la grande vedette, malheureusement emprisonnée. Et l'ONU qui vient à sa rescousse, qui exige sa libération. En tout cas, le groupe de travail qui a été commis par l'organisme, qui au terme de son travail a demandé sa libération tout simplement parce qu'on n'a pas pu apporter les preuves de ce qu'on lui reproche. Mais quand j'ai lu cette affaire, j'ai dit, mais attends, il y a quoi? L'ONU, là, c'est un coup de justice. C'est quand même la Société des Nations. Mais s'il vous plaît. Mais les gens se font voir. Je ne dis pas forcément que l'arrestation de Rekiat Madougou est arbitraire ou je ne juge pas ça. Mais moi, je sais pas que les institutions, des lobbies, s'associent pour dire donner une injonction à tel pays. C'est pas aussi gratuit, là. Non, ils ont fait quelle injonction à quel pays? Mais ils ont quand même travaillé, ils ont investigué d'abord. Je vais installer une cour à l'ONU qui l'installe et que les partisans de l'ONU valident. Mais on ne peut pas dire des groupes de travailleurs qui se sont assis dans leur fauteuil, on dit bon, libérer Rekiat Madougou. Mais ce n'est pas normal, ça s'entend mal. C'est eux qui plongent Rekiat Madougou. Pourquoi? Mais on est dû dans ce fauteuil aux États-Unis. Non, mais pourquoi il noie Rekiat Madougou? Mais s'il ils ont plaît. Fait un travail, ils ont investigué le dossier, ils ont épulché le dossier. Ils ont quel pouvoir répressif? Ce qui se passe là, c'est même humiliant. Au moins, c'est à partir de leur travail. Une nation a une autonomie. Il a un crayon. Oui. C'est à partir de leurs investigations, oui. de leur travail, oui. qu'ils ont trouvé que le dossier, en fait, n'était pas constitué. Peggy la faute d'Abba. N'était pas constituée, selon Peggy Ludovic Dagba. Oui, il n'a rien qu'à. Les Nations Unies ont-elles une cour de justice qui connaît des arrestations arbitraires dans les pays membres? Ils ont bien dit un groupe de travail. Ils ont les justices pour lesquelles, ils ont les cours de justice pour lesquelles les nations souscrivent. Ils n'ont qu'à aller à ces cours-là. C'est peut-être une première étape. Non. Ils sont arrivés au constat. Okay, là-bas, on ne peut pas dire des cas de passe levé pour donner un affaire constat, on a arrêté arbitrairement, il faut enlever. Ils ne connaissent pas ce qu'on appelle talon. Mais ça, c'est des pressions obsolètes qui ne peuvent même pas agir sur le mental du président. Sur le très populaire président Kérékou, paix à son âme. Il ne peut pas. Donc, les gars doivent savoir que mais chaque le Bénin est un pays entièrement autonome. Pour demander la libération de Rekiat Madougou, il y a beaucoup de voies et moyens. Cette voie n'est pas mais la voie appropriée. On ne peut pas passer par la diplomatie pour dire... C'est quoi? Parce qu'on dit Nations Unies, on doit dire libérer... Mais qu'est-ce qu'on est talent? Talent ne se compare à ces choses-là. Talent n'est pas Yaïboni. Donc talent ne va pas réagir. Non, mais moi, à sa place, je ne réagirai même pas. Moi, de ma petite place. De votre petit niveau. Non, et puis qu'est-ce que... Talent. On dit groupe de travail des Nations Unies, il faut, et puis on commence à surfer sur ça. Ils sont en train de plonger, ils ne savent pas faire, il va piger les 20 ans. Ils n'ont qu'à chercher les couloirs diplomatiques pour faire sortir Rekiat.
je ne suis pas d'accord qu'elle soit maintenue dans les liens de la diplomatie. Mais ça, c'est une pression inopportune que je n'accepte pas. Hein? Moi, je suis dans un pays autonome. Pourquoi elle n'est pas opportune? Il n'a qu'à faire la diplomatie des couloirs et aller voir Talon la nuit pour lui parler. N'allez pas à la télévision, je vous dis, elle ne sortira pas. Mais c'est un des moyens. C'est un moyen qui n'est pas approprié. Peut-être qu'en suivant ça à la avec télé. Qui on a affaire. Peut-être qu'en suivant ça à la télé, ça peut faire. Les gens nous imposent de savoir l'arme à utiliser face à une situation. À celui à qui on a affaire. Talon ne succombe pas à cette âme-là. Et ça veut dire que les gens jusqu'à présent ne connaissent pas celui qui les gère. Ils ne connaissent pas celui qui dirige ce pays-là. La diplomatie internationale ne dit rien. Froid à Talon. C'est quand il veut, il marche. Quand il ne veut pas, il ne marche pas. Alors, donc maintenant, là, ce n'est pas pour libérer Rekia et Aïvon. Malheureusement, donc, personne ne parle. Ce n'est pas les voies diplomatiques là pour donner injonction. Tout le monde sait que les Nations Unies ne donnent injonction qu'aux pays faibles, comme le Bénin. Mais ils donnent quand même des injonctions aux États-Unis. À qui à la France. Mais pour dire quoi Ils ont dit quoi par rapport à l'Ukraine. Non, vous avez vu, des résolutions ont été prises, non? Oui, ça, c'est une guerre d'intérêt qui les concerne. Ah, maintenant, ici, là. Ici, là, Bénin, le petit... Ils n'ont aucun intérêt pour dire que le groupe de travail s'est réuni. C'est des lobbies qui sont mal utilisés. J'aurais prévu que ces lobbies travaillent dans le sens de faire la diplomatie des couloirs et aller voir le président Talon. Mais c'est fini. Mais là, d'ailleurs, il est à bonne voie. Vous savez, la semaine passée, il a libéré près d'une centaine. Mmh. Alors, moi, je ne le défends pas. Hein, je ne défends pas du tout. Mais je défends ce qui est défendable. Donc, vous êtes d'accord avec la dernière loi qui est intervenue? Non, pas forcément. Qui lui permet de... Au lieu, comment dirais-je, à part le droit de grâce, eh bien, écouter la peine des gens. Non, je suis entièrement contre ça. C'est pas ça mon problème. Mais vous semblez l'applaudir. Le chef de l'État avance le vote de cette loi à plusieurs voix pour libérer quelqu'un s'il veut, s'il vous plaît. Les grâces dont vous parlez, ce n'est pas un chemin pour lui. On en a déjà tellement eu qu'on n'a plus besoin d'en avoir davantage. C'est déjà donné trop de pouvoir aux hommes. Il faut donner le pouvoir aux tests et aux hommes. C'est ça le plan réel. Parce que quand les hommes passent, quelqu'un viendra réviser parce qu'on dit, ce n'est pas bon. Ouais. Donc il faut faire des tests pérennes, des tests qui vont durer dans le temps, des tests objectifs et non subjectifs. Donc c'est ça qui est mon plan réel. Mais il faut que les gens qui veulent aider Rekia Badougou appliquent la politique des couloirs, la diplomatie des couloirs. C'est beaucoup mieux. Ce n'est pas normal qu'une femme aussi combattante, une femme de grande fortune comme elle soit en prison. C'est une perte pour le pays d'abord et une perte pour l'Afrique parce qu'elle est transversale au pays du continent. Oui, mais on parle ici de la véracité ou de la pertinence du sujet ou de l'élément qu'il a envoyé. Peggy, j'ai pris un jour que tu sois président de la République et que les institutions du pays coffrent quelqu'un, justement ou injustement, je ne veux pas savoir. Mmh. Et que des cadres, parce que ils demandent d'une institution internationale supérieur qui nous régit, on dit sortez le sang délai. Mais quelle est cette injonction bête? Ouais, parce qu'ils se sont rendus compte que c'est zéro. C'est des juges, c'est une cour. Mais chaque société doit jouer son rôle. Et ils sont une société d'accompagnement des nations et une société d'injonction des nations. Mmh. Il faut qu'ils se l'approprient. C'est pas normal. Si c'est la cour de la CEDEAO qui a dit, on peut dire oui. Ah, il y a talent, il faut respecter. C'est quand même juste qu'on parle. Mais ici, ce n'est pas juste. Mais attends, ici, ils veulent avoir une cour. Tu parles de ces affaires, ils vont faire la cour pour les nations adhérentes, ils iront voter. Mais vous restez là, le ministre vous dit, bon, écoutez, il faut libérer, c'est trop gratuit. Je pense que les partisans de la BRAVE, les partisans de l'Amazon, Rekia Madougou, doivent en prendre.